Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est SupraWorld, et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur ce jeu magnifique, sur SSCF donc, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, que je trouve personnellement, puisque je suis fan des Chevaliers de Zodiac, la légende des chevaliers. Donc voilà, il y a sûrement des gens qui vont moins aimer ce jeu que moi, il y en a peut-être même qui vont plus l'aimer encore. Bref, les amis, dans cette vidéo qui, normalement, je dis ça, mais la durée, est-ce qu'elle est, quoi? Cette vidéo qui dure normalement moins de 20 minutes. Voilà, il faut que. Vous voyez, un youtubeur quand il filme, il faut un peu qu'il voit au montage. Et des fois, on enlève du temps, des fois, on en rajoute. Bref, j'espère vraiment que c'est le feu, les amis, pour vous. J'espère que vous êtes bien réveillés. Aujourd'hui, encore une fois, comme la dernière vidéo, d'ailleurs, que j'ai sortie il y a 3 jours à l'heure où je parle, on va se faire une vidéo un peu spéciale. Parce que d'habitude, on fait tout le temps sur le mode histoire, comme je le répète souvent. Mais cette fois-ci, on va faire en version Blitz Quest cette vidéo aussi. Donc c'est vraiment le Blitz Quest de deux nouveaux personnages très récents qui viennent d'arriver sur le jeu. Donc je les ai nommés, je vais essayer de pas me tromper de leur nom. Donc c'est les deux frères. C'est Sagittarius, Godclaws, Aioros en version ACE Sword. Et son frère, donc son frère qui est plus jeune que lui, mais bon c'est pas trop ça que pas trop ça l'important. Son frère Léo Godclaws Aiolia en version ACE. Par contre, son arme, je sais pas. Bref, les amis, ici, comme au début de la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont vu, on se retrouve sur l'event Legend Bonus. C'est pas pour vous montrer ce que j'ai gagné, mais c'est vraiment pour assister. J'espère que vous regardez la vidéo au moment où ça a lieu. Pour vraiment pour assister sur le fait que c'est important quand vous avez gagné des Holy Stones gratis comme ça tous les jours. Et surtout les jours centraux, comme on peut les appeler. C'est le 5e, le 6e et le 7e. On gagne chacun de ces jours-là 2021 Holy Stones. Donc pourquoi 2021? Pour ceux qui auraient peut-être pas trop compris, c'est jamais. Bah c'est parce que tout simplement on est pratiquement arrivé en 2021, quoi, dans 2 jours on y sera. Parce que à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 30 décembre 2020, donc voilà. Comme d'hab, au début de la vidéo, on va se faire des petits trucs. Déjà la Ténace Miracle, ça fait plaisir. Il y a toujours pas le gain x3, je pense. Il y a des périodes comme ça, que je me répète, où il y a le gain x3, où là c'est utile de faire pas mal d'invocations dessus. Pas mal de tirages dessus, plutôt. Pour les gens qui sont intéressés par l'argent. Sinon, regardez-moi, j'ai plus de 1 milliard là. N'hésitez pas à me dire votre capital d'Athena's Coin en commentaire. Ça se met, il y en a qui ont 5 milliards. Je me demande s'il y en a qui ont dépassé le 10 milliards. À mon avis, il y a peu de chance. Là, au niveau de la shop. Comme d'habitude également, on va aller se dévaliser ça. Je me dis c'est satisfaisant qu'on voit quand j'achète tout là comme ça. Ça prend pas très longtemps en plus pour les gens à qui ça n'intéressait pas trop là. Ok. Du côté de l'Arena Shop, j'en ai 141, 141 médailles. Bah ben voilà. Ça c'est le moins cher en général. Capricorn Ring, x3. Alors là, la Cosmic Shop. Ouais, il me semblait bien la Cosmic Shop, j'avais acheté pas mal de trucs. Regardez-moi ça. Et vraiment, j'avais réussi à débloquer 4 nouveaux personnages, donc on va d'abord faire nos deux multi-invocations gratuites. Nos deux simple invocations gratuites en début de vidéo, et aussi la multi-invocation, on va voir ça. Parce que là, on est dans une période là, où il y a une multi-invocation gratuite. Écoutez, j'hésite entre acheter une Area Shikibox, ou alors des Cosmos de Io. Io, c'est un des meilleurs personnages, donc voilà. Ok. Alors, gacha. Ouais, vous voyez, c'est la période du Zodiac Fest. Alors, je tourne la vidéo. Et normalement, il va durer jusqu'au 6 janvier, un truc dans le genre. J'ai pas du tout été voir sur YouTube ou sur des sites internet pour l'instant quelle période était la meilleure. Il n'y a pas vraiment de normes à ce niveau-là. Les Zodiac Fest, ça peut être tant la période 1 comme la période 2 et la 3. Voilà, mais cette fois-ci je vais pas trop aller voir laquelle des trois est la meilleure, en termes de statistiques du moins. Il faut regarder aussi si les personnages vous conviennent, tout simplement. Donc voilà, c'est déjà fait, maintenant, l'Holy Stone Gacha. Je me dis, en début de vidéo, c'est toujours fun. Alors si vous êtes nouveau, si vous avez jamais regardé mes vidéos sur ce jeu, je vous invite vraiment, si vous y intéressez un minimum bien sûr, à vous abonner à la chaîne, il va encore avoir plein de vidéos sur ce jeu. Enfin bref, je répète plus trop les éléments, abonnez-vous. Partagez-moi vos vidéos, etc. Parce que pendant un peu moins de 10 secondes, au début de toutes mes vidéos maintenant,
Dans toutes les nouvelles vidéos que je sors sur ce jeu, je mets tout le temps les trois énoncés, quoi. Enfin, comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, j'ai pas besoin de vous le dire. Voyez, j'ai assez pour faire une multi-invocation. La vidéo d'il y a 2-3 jours, j'avais pas assez. Donc c'était Aiolia ACE en version Twin Rod, donc c'est une espèce de nunchaku si vous voulez, qui est bien sûr en or. Et Aiolos, son grand frère, c'est en version Sword, je m'étais pas trompé. Donc on peut voir que c'est deux personnages principalement mis en vedette. Enfin, deux personnages mis en vedette tout simplement. Et un personnage secondaire, qui est un peu moins mis en vedette, mais qui est toujours dans les principales de la bannière, c'est Sagittarius Gutkulusseya, qui est resté pendant 2-3 mois le meilleur personnage du jeu. C'était le gros boss, quoi, le grand boss. Mais il a été dépassé par son coéquipier Ikki. Donc pas... normalement, actuellement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, je pense que le personnage le plus fort actuellement sur le jeu n'est autre que Leo Godklaus Ikki en version ACE. Voilà. Donc ce personnage extrêmement puissant, je vous l'affiche à l'écran. Si vous l'avez, tant mieux. N'hésitez pas à me dire aussi, à nous dire quels sont les personnages que vous avez déjà gagnés sur ce Jackfest. Donc nous, on va vite aller dans Beat Quest s'entraîner. Mais d'abord, on va enfin faire une chose sérieuse, une petite multi-invocation, histoire de vraiment, véritablement bien commencer cette vidéo. Et je me suis rendu compte, pour ceux qui l'ont regardé, que la dernière vidéo, il y a eu relativement beaucoup plus de problèmes de son dedans qu'il y a d'habitude. D'habitude, il n'y en a pas du tout, ou presque pas du moins. Et voilà, je sais pas ce que je faisais de la dernière vidéo, je crois que je mettais tout le temps ma main devant le micro. Enfin, j'ai pas de micro, mais je veux dire devant les parties de mon appareil qui captent le son. Et voilà, ça le brouillait. Des fois, il a fallu que vous montiez le son, je suppose. Ah tiens, ça, je l'avais pas prévu. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de multi-évocation, grâce au Fantasy Ticket. Vous voyez, le personnage principalement mis en vedette, c'est New Pegasus Koga. Et je l'ai gagné dans les toutes premières fois. J'ai eu de la chance. Ah tiens. Ne serait-ce pas donc là, vraiment, mon personnage préféré de tout le jeu entier. Franchement, là, je suis content, il est plus du tout dans la méta actuelle depuis longtemps. Je sais pas si on peut dire qu'il est trash, mais... franchement, je suis vraiment content. Ce personnage-là... ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais vous dire maintenant, je l'attendais pas, parce que... j'aime bien la plupart des personnages du jeu, j'en profite et tout. Et je me dis, un personnage, il viendra quand ça s'arrête de l'attendre. Donc voilà, je l'attendais pas, mais ce personnage-là, franchement, c'est mon préféré. Et je suis content, quoi, on est content. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est ou même quels sont vos personnages préférés. Donc voilà, la partie invocation pour ce début de vidéo est passée. Regardez, 4 nouveaux personnages. Donc bien sûr, tous les 4 ne sont pas excessivement forts. Il y a peut-être même que la plupart sont trash, quoi. Voilà, celui-ci, je pense qu'il est trash depuis le temps qu'il est sorti, quoi. Mais c'est toujours un chevalier de Pégase en plus. Et moi, c'est Seiya, le chevalier de Pégase, le personnage que je préfère dans l'histoire. Donc par extension, tous les chevaliers de Pégase, c'est les signes des zodiaques que je préfère le plus. Donc voilà, ici, un personnage pas très fort. Son coéquipier qui est pas très fort non plus, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des personnages en plus. En tant que fan, voilà. Donc voilà, je dis pas que je suis fan de ce personnage-là, mais des personnages, on va pas cracher dessus, quoi. Et en fait, le personnage qui est de loin le plus intéressant des 4 que je débloque en dernier... Ophiuchus Shaina en version Gold Close. Donc il y a des gens peut-être qui pourraient croire que c'est la version God Close. Mais voilà, c'est vraiment la version dorée parce qu'il fait écrit, quoi. La Gold en anglais ça veut dire or, quoi. Donc voilà. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui se disent que c'est un personnage en version God, quoi, en version divin, bah pas du tout. Donc voilà, je vais pas les améliorer maintenant, mais très prochainement. Et comme je l'ai dit dès la dernière vidéo pour les gens qui l'ont regardé, je vais faire une vidéo d'un maximum 1 mois. Où je vous montrerai ma box. Donc cette vidéo là elle durera peut-être 15-20 minutes. Ce sera pas une vidéo bonus. Ce sera vraiment une vidéo qui s'inscrit dans la saison. Mais ce sera un peu une pause dans le mode histoire. Et on fera un peu le poids sur tous les personnages intéressants que j'ai. Je donnerai des explications. Enfin bref, ça peut être une vidéo sympa. Ok, donc nous on va filer dans le Beats Quest. On va essayer tous les niveaux les uns après les autres. Et on est déjà pratiquement certain à l'avance. Vous connaissez, pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos de Beats Quest, qu'en général je bloque sur le niveau God 2, quoi, voilà. Tant mieux, c'est à certains qui regardent la vidéo qui sont plus forts que moi sur ce jeu, qui arrivent à passer ce niveau-là. Tant mieux, tant mieux. Bon, allez, let's go. Les amis, nous voici à nouveau dans le SP Quest. On y avait déjà été pendant pas mal de temps dans la dernière vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas été la voir, pour les gens qui seraient intéressés, n'hésitez pas. Elle fait l'objet d'événements qui ont disparu. D'ailleurs, j'ai bien fait de faire une vidéo dessus, du coup.
Et pendant que j'ai tourné la vidéo, j'ai vu qu'il y avait un BlitzQuest, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo suivante qui pourrait également intéresser d'autres personnes et qui pourrait être fun. Donc voilà, c'est des événements qui ont disparu. C'était des cosmic events. Alors voilà, je vous mets la vidéo à l'écran. C'est un peu de peu ça sur le moment, mais ça peut toujours faire plaisir. Ah oui, et au passage aussi, n'hésitez pas à venir. Tous les jours, pour ceux qui seraient intéressés dans le jeu à gagner de l'argent, des potions, même des limites pyroxine P6, enfin les pièces quoi, je veux dire. Vous voyez, le petit carré en bronze là, avec l'espèce de cristal multicolore dedans, et aussi les fantasy tickets, c'est intéressant tout ça, et donc c'est un essai par jour. Et voilà, même les amateurs peuvent y jouer, comme c'est niveau 1 recommandé. Bref, donc voilà deux personnages qui, on est déjà certain d'une chose, ne sont pas nuls. Je sais pas si c'est les meilleurs du jeu, je pense pas, mais ils doivent être assez bons. Regardez, le niveau 95, c'est déjà certain que je vais le réussir. Par contre, on n'a plus énormément de stamina. Donc, comme j'ai encore beaucoup de pommes. Ah, au passage, j'ai vu que j'avais des Atnas Drop. J'avais un peu oublié. Voilà, on va un peu faire le play. En flamme de cosmos. Voilà, c'est bon, on en a assez là, je pense. Ok. Donc, on va tenter le niveau A, bien sûr. Donc les adversaires, ça va tout le temps être les mêmes jusqu'au niveau 50-70. Puis après, ils vont être rejoués par d'autres de leurs compagnons, quoi. D'autres personnages, d'autres ennemis. Ok, donc on se lance, ça fait déjà trop longtemps que je parle, là, je trouve. Voilà, on va les écraser sans conteste. On savait bien que ça allait passer à l'avance. Et ça va être comme ça jusqu'au niveau 70. Quand j'y pense, les amis, je sais pas combien j'ai fait de vidéos sur le Beats Quest. Je pense que ça doit être la 5e ou la 6e. Voilà, c'est quand même la 140e vidéo que je fais de la saison officielle sur ce jeu. Vous savez, pour les gens qui savent pas, ma chaîne fonctionne en termes de saison. Donc ici, c'est la 7e saison SSCF, Essentia Cosmo Fantasy. Mais avant, j'ai fait des vidéos sur des autres jeux. Donc, si vous êtes intéressé, il y a du Minecraft, il y a des Gangstar Vegas. Gangstar Vegas, si vous savez pas, c'est comme un GTA 5 Junior. Sinon, là, voilà, il y a des autres jeux comme Asphalt 8, des autres choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Donc premier niveau réussi, à perfect, ça fait vraiment plaisir. Même si en soi c'est banal, mais voilà. On va se contenter de ce qu'on a, comme on dit. Allez, il nous reste encore 5 niveaux à faire, si je me trompe pas. Alors, niveau difficulté 30. Bah, celui-là, on va l'expédier aussi. Donc voilà, sans surprise, ça coûte en général de plus en plus cher. En général, on gagne de plus en plus d'Athena's Queen. De récompenses plus intéressantes et de points d'expérience. Mais bon, c'est pas ça l'important, parce qu'en soi, ça reste quand même assez faible. En tout cas, pour moi qui suis déjà dans les niveaux de player au-dessus de 100, donc ça prend beaucoup de temps pour passer au niveau supérieur. Bah allez, on va expédier ce niveau en 3 secondes, on va encore les écraser. On va écraser les deux frères, on va envoyer toute la famille dans l'autre tombe. Dans l'autre monde. J'ai confondu les envoyer dans la tombe et les envoyer dans l'autre monde, vous voyez comme des fois on peut confondre le langage. Mais bref, let's go. En fait, limite, on leur a laissé aucune chance. Toujours pas d'utilisation de charge skill. Et Mew du Papillon, là, il reste quand même de mes personnages préférés. J'ai déjà dit pas mal de fois, mais franchement, il est beau comme ça, c'est un de mes meilleurs personnages. Allez, on passe au niveau suivant. Ok, niveau de difficulté 50. Mais les ennemis sont encore une fois les mêmes. Il y a des objets plus intéressants qu'au niveau d'avant à gagner. Un petit Nectar Drink. Ah, j'en ai plus de 1000 quand même. Je vais pouvoir les appliquer sur des nouveaux personnages qu'on gagnera éventuellement sur la seule et unique invocation, multi-invocation qu'on fera sur le Zodiac Fest, les amis, en fait, cette vidéo. On espère que je vais réussir, quoi. Bah oui, espérer le contraire, c'est un peu bizarre, quand même. Bon, allez, on est parti. J'ai pas trop fait attention au paysage derrière, quoi, au paysage tout court, pendant les deux combats qu'on va te faire avant, mais j'ai l'impression que ça a changé, quand même. Peut-être que je me trompe. Perfect. Ça, vous savez, les amis, mon chargement, vous voyez pas parce que je me surpose pour pas que ça vous ennuie, mon chargement dure plus longtemps que la durée du combat, vraiment. Le combat dure 4 secondes depuis 3 niveaux, là, qu'on a tenté. Et le chargement dure au moins 30, c'est marrant. Ok, niveau 70. Donc à chaque fois, les amis, j'ai l'impression qu'il y a 6 niveaux de difficulté à chaque fois, si je me trompe pas. Je pense qu'on peut dire qu'il n'y en a ni trop ni trop peu. Alors les ennemis, ouais, toujours les mêmes encore. Par contre, les objets sont beaucoup plus intéressants, mais on en gagne moins. Et j'en ai beaucoup, ouais, quand même. C'est des pièces Area Shiki basiques.
Enfin, j'ai dit basique, mais c'est quand même, ils ont quand même beaucoup de valeur, quoi. Parce que sinon, à côté de ça, il y a des pièces à Reishiki. Plus 1, plus 2, même plus 3. Enfin, ici, c'est pour arriver au plus 1. Après, il y a les... pour arriver au... Enfin, bref, vous connaissez, normalement, pour les gens qui jouent un minimum au jeu. Allez, on va s'écraser ce niveau. Ce coup-ci, c'est le même paysage que lors du dernier niveau. Mais de nuit. Franchement, les combats, ils m'ennuient presque tellement, il n'y a pas de suspense et qu'on sait qu'on va gagner. Mais c'est mieux en soi que si on n'était pas sûr qu'on allait peut-être se faire écraser et tout. Bon, ce coup-ci, 240 000 pièces, 600 points d'expérience. Franchement, dommage, j'ai quand même pas beaucoup d'expérience de joueur. Je trouve que c'est quand même très maigrichon, quoi. Heureusement qu'il y a des événements spéciaux du SP Quest pour gagner de l'expérience de joueur. Il y a même la version EX de l'expérience de joueur du SP Quest pour gagner 13 000 points d'expérience par niveau. Malheureusement, c'est un événement, comme je l'ai dit lors de dernière vidéo, qui se débloque rarement et dont les tickets sont difficiles d'obtention. Ok, donc le niveau recommandé 95, on arrive à quelque chose de sérieux. Enfin, plus sérieux parce que quand même je suis au niveau 108, donc c'est quand même bien au-dessus. Mais peut-être qu'ils vont opposer un peu de résistance. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire pour vous. Quel est le meilleur de ces 5 personnages? Comment savoir? Moi je pense que c'est Godclaw Aldebaran. Ou peut-être celui-ci. Celui-ci est un peu moins puissant de mes souvenirs. Et voilà des objets un peu plus intéressants. C'est pour passer au niveau supérieur à Reishiki, ça. Dans les équipements, bien sûr. Allez, on est parti. Ah ouais, ils sont encore plus puissants que je le croyais. Il y a Mu du Papillon qui a failli y rester. Écoutez, si on les bat pas, ça veut dire qu'ils sont vraiment extrêmement forts par rapport à la méta actuelle. J'ai une équipe quand même assez bonne, je trouve. En tout cas, c'est mon avis. Et eux, ils sont quand même des niveaux d'amélioration en dessous. Soit Reishiki, bien sûr, mais... Voilà, quelques niveaux en dessous quand même. Voilà, enfin un niveau entre guillemets sérieux, il y a beaucoup plus de suspense. Et ça j'aime beaucoup plus, même si j'ai plus de chances de mourir. Vous voyez, il y a plus d'amusement. Et puisqu'on joue justement aux jeux vidéo pour s'amuser. Voilà, on les a battus, mais malheureusement on ne fera pas de perfect les amis. Mew du Papillon qui est sûrement le personnage le moins résistant de nos 5 personnages de mon équipe actuelle. Il aurait pu rester franchement jusqu'au bout. Bon, ça fait un petit good. Tant qu'on a réussi le niveau, c'est le principal. Maintenant on va essayer le God 2 pour le fun. Mais vous savez, comme moi, les amis à la vente, qu'on va se faire écraser. Allez, on va tenter. Regardez-moi ça. Vous voyez, le niveau God 2 avant, il était pas aussi haut, si on peut dire ça. Niveau God 2 avant, je me souviens d'une époque où il était niveau 115, niveau 120, 125. Maintenant, ça dépasse le niveau 130. Voilà. Je me disais que je commençais tout doucement à rattraper le niveau God 2. Ben voilà, niveau 108 jusqu'au niveau 130, même plus, il y a encore du chemin. Par contre, ça coûte très très cher. Et j'ai jamais trop compris pourquoi ça, le niveau God 1 coûtait aussi cher que le niveau difficulté God 2. Je trouve que le God 1 devrait au moins coûter 30 flammes de cosmos moins cher, quoi. C'est pas trop logique sinon. Regardez-moi ça. Regardez, il y a des personnages que je n'ai pas du tout, qui sont pour l'instant les meilleurs du jeu. En tout cas, compris dans les meilleurs du jeu, quoi. Et voilà, là, c'est des pièces à Reishiki plus 3. Enfin, pour passer au niveau à Reishiki plus 3. Alors celui-ci je l'ai. Ah non, je te raconte moi, je l'ai pas bien sûr. Ouais, j'ai sa version sans larmes en fait, voilà. Bon allez, on y va les amis. Et en fait là, vous voyez, au début dans les niveaux les plus faciles, vous voyez, j'arrêtais pas d'écraser les deux frères et les ennemis. Et ouais, il n'y avait pas de suspense parce qu'on savait bien qu'on allait les écraser. Et là, le suspense, il est de nouveau reparti. Il n'y a pas de suspense parce que... C'est pas qu'on sait qu'on va les écraser, mais on sait qu'ils vont nous écraser, donc ça on aime moins. Mais bref, je vais arrêter de parler, on est parti. Alors, combien de temps pensez-vous que nous allons tenir? On a quand même tenu 7 secondes. 7 secondes. Par contre, il faut quoi là? Ils continuent à attaquer. Je trouve qu'ils formaient vraiment une belle équipe, même si c'était nos ennemis. Voilà. Voilà, on le fait vraiment pour la participation, les amis, pour l'amusement. Bon, ok, donc, les amis, le sujet principal de cette vidéo, donc,
le Beats Quest des deux frères est terminé. Mais la vidéo n'est pas terminée en soi parce qu'on va maintenant se consacrer à leur Zodiac Fest. La période 1, donc on espère au moins gagner un personnage. Normalement, j'ai de quoi faire une seule et unique multi-invocation. Donc on espère vraiment que j'ai de la chance. Je le répète, n'hésitez pas, si vous avez déjà invoqué dessus et si vous avez gagné des personnages, à nous dire en commentaire ce que vous avez obtenu, quoi. Ça peut être toujours intéressant. Alors, même si cette Holisto Birthday Holisto Unbox, elle va sûrement pas me donner énormément pour faire une deuxième multi-invocation, mais... À 1200 quand même, d'habitude j'obtenais 600 ou 800. J'ai eu une petite chance, on va dire. Mais une fois j'en avais obtenu 3000, je me souviens. Donc voilà, on n'a pas d'autres pièces à aller échanger, donc... Partie gacha du jeu. Je sais vraiment pas les amis quelle est la période la plus intéressante. Mais des fois, j'ai pas trop envie d'attendre. Pas que je suis impatient, mais bon. Voilà, on va faire durer un petit suspense, comme je fais souvent. Tant que c'est gratuit aussi. Le suspense. Quand j'y pense, je me dis des fois, c'est un peu ridicule de mettre suspense. Parce que suspense, en général, on dit ça pour les choses un minimum intéressantes. Quoi qu'il y a un dénouement ou quoi, qui peut nous intéresser. Mais là, c'est des trucs un peu nuls. Je dis ça un peu pour rigoler. Vous me connaissez, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, dis-moi. Donc allez, les trois personnages mis en vedette. C'est ceux qui sont présentés ici. Donc Aloia Asius Unrod, Aioros Asius Ward et le petit Seiya derrière, fait qu'il n'est pas si petit que ça quoi. Il a que 13 ans dans l'histoire mais c'est quand même un des meilleurs personnages du jeu. Donc les taux de drop on s'en fout. Que je vais aller voir, je sais bien que les taux de drop sont bons. Ça Zodiac Fest. Regardez là aussi quand je mets... voilà, je vais sur les détails, les taux de drop ça prend 10-20 secondes à charger. C'est pour ça d'ailleurs que je vais vous mettre une petite image. Donc ça reste jusqu'à quand ça? Mais bien sûr il y a 3 périodes. Ils ont l'air vraiment très violents les nouveaux personnages. Donc N'hésitez pas à mettre au ralenti si vous voulez un peu regarder ce qu'il y a dans leurs attaques. Guardian of Leopales. Moi ça m'a jamais intéressé les attaques, c'est les personnages en soi qui m'intéressent. Pour tout dire. Voilà lui aussi forcément il a 3 auto-skills et... Et à charger skill. Bon, la période, ça dure jusqu'au 6 janvier, ouais. Bon, là, je voulais voir les personnages qu'on pouvait gagner, moi. Ah oui, c'est beau, ça, franchement. Et si jamais vous êtes intéressé par une vidéo entièrement dédiée à ce Zodiac Fest-là, moi, je ne vais... C'est rare que j'en fais des vidéos entièrement dédiées à des Zodiac Fest. J'en ai déjà fait une, si je me souviens bien, mais c'est il y a longtemps. N'hésitez pas à aller voir une des dernières vidéos que Valmond a sortie. Donc, voilà. Je lui fais de la pub comme ça parce qu'il le mérite bien, je trouve. Il fait des bonnes vidéos sur le jeu. Des vidéos qui, contrairement à moi, sont principalement axées sur la pratique, sur les explications, les astuces. Moi, c'est l'inverse, c'est pour l'amusement, le fun. Donc voilà, je vous mets comment sa chaîne s'écrit à l'écran. Et vraiment, si vous voulez des infos sur ce Zodiac Fest-là, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Donc ça, c'est tous les personnages que peut gagner. Leo Godkulos, Aliolia Sword. Celui-là, je l'avais gagné il y a longtemps. Maintenant il est presque trash, même une heure voire trash. Bref, on a un peu vu les personnages. Voilà. On va invoquer maintenant. Allez s'il te plaît, Jésus-Christ. Fais en sorte que j'obtienne au moins un personnage. Pas forcément des meilleurs, mais un qui fait du beau travail quoi. Allez, on va voir. Mais c'est cool ça, franchement. Directement dès le premier coup. Bah Zodiac Fest est rare comme déçoive. Il y a une fois Zodiac Fest, je me souviens. J'avais même fait une vidéo dessus. J'avais pleuré en vidéo entre guillemets. 4 multi-invocations d'affilée sur le Zodiac Fest. Du personnage dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est Sagittarius Godkulos Seiya version ACE. Voilà, il s'affiche à l'écran. 4 multi-invocations, j'avais gagné. Absolument aucun personnage. Pas une chance du tout cette fois-là. Voilà. Donc au moins un personnage, ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire de ce que vous pensez de ce personnage-là. Et voilà, je répète encore une fois à nous dire les personnages que vous avez gagnés. Nous les amis, dans cette vidéo, plus grand chose à faire et je vous ai dit à peu près tout par rapport au sujet principal de la vidéo. C'est surtout l'amusement quoi, j'ai pas spécialement grand chose à vous dire. Nous on va se dire à la prochaine les amis, c'était Supra War, j'espère vraiment que vous avez adoré ou du moins aimé, apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas aussi à donner votre opinion sur la vidéo. Nous on va se dire ciao, bye. Et continuez de bien profiter de la vie et portez-vous bien.